qui j'en ai. Je dis à nous pour une autre vidéo pour vous, que nous allons expliquer comment vous êtes capable de créer un compte vendeur sur Amazon. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ça, nous avons une vidéo nous fait sur ça déjà sur channel là. Cliquez sur lui et puis vous avez gagné toute information pour connaître qui j'en est capable de vendre sur Amazon. Si c'est pour une fois tomber sur vidéo, moi-même c'est Steven Jean. Sur channel ça, nous parlons de ça qui a rapport avec business en ligne, spécialement entrepreneuriat. Pour nous montrer qui gens sont capables de faire l'argent à travers Internet, capable de commencer à abonner à la chaîne là, activer la cloche de notification pour ne pas rater une vidéo. Sans nous ne pas prendre temps, nous allons partager ensemble avec vous, côté que nous allons montrer étape par étape qui gens sont capables de créer un compte. Si vous créez un compte Amazon Seller ou bien un compte vendeur sur Amazon, vous allez monter sur Google, vous allez taper Amazon Seller Central. Vous allez taper dans la barre de recherche là, et puis vous allez cliquer sur lien ça. Lorsque sur lien ça, on peut arriver sur la plateforme Amazon Seller. Mais dans Amazon Seller, il y a deux comptes. Il y a un compte professionnel et un compte individuel. Dans la vidéo que vous regardez, on peut avoir toute information et qui différence il y a un compte individuel avec un compte professionnel. Moi-même, dans la vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte sur la partie professionnelle. Pour avoir une partie professionnelle, vous cliquez sur apprendre plus. Il va cliquer sur pricing, prix. Vous va cliquer sur standard, filling, fees. Si vous cliquez sur lui, vous descendez en bas, vous avez un compte individuel là, vous avez un compte professionnel là. Et un compte individuel, vous avez seulement payé 0,99 cents sur chaque produit que vous vendez avec tout l'autre frais qui gagne. Mais lorsque vous créez un compte professionnel, automatiquement, vous avez pour payer 39,99 chaque mois à Amazon. Ok? Dans la vidéo, ça nous dit que vous avez créé un compte individuel. Automatiquement, vous cliquez sur. Ok, l'arrivée là, vous cliquez sur créer un compte. Automatiquement, vous arrivez sur cela. Ou ap entre nom ou, email ou, ou ap entre password ou, ou ap entre password deuxième fois pour faire next. Lorsque là, Amazon a voyé un code qui gagne 6 chiffres là-dedans, parfois les 8 chiffres, pour capable vérifier, pour capable recevoir le code, ça, ou ap aller sur email ou, et puis, ou ap joindre code 6 chiffres Amazon, voyez bah ou là. Ou ap copier code ça, et ou ap tourner sur account Amazon ou, hein, pour rentrer là, et puis, créer compte Amazon Seller. Mettez ma vie USA. Ou même, soit vivre Haïti, pas négliger, mettez adresse USA parce que vous ne pouvez pas vérifier à 40 tout avec une adresse en Haïti. Soit vivre Dominicaine, vous ne pouvez pas mettre adresse en Dominicaine. Avant que vous créez à 40 là, tout le monde songe pour jouer une adresse aux États-Unis ou bien acheter une adresse aux États-Unis pour capable vérifier compte. Mais moi, plus conseille utiliser une adresse, une famille, une amie ou bien aux États-Unis ou bien Canada ou bien sous plateforme pour en vivant là parce que Amazon a plusieurs côtés pour capable créer. Ok, moi, je mets aux États-Unis et puis je demande quel type de business que je vais créer. Moi, je choisis I am an individual et puis là, ça, je vais utiliser information PAM. Pas oublier, information qu'on va mettre, il faut que vous capable vérifier. Et puis, on va confirmer non hein, que vous avez là. Et puis, on va faire continuer. Lorsque vous partez ça, on va mettre nom avec prénom, on va mettre nationalité, on va mettre pays que vous faites là, on va mettre date que vous faites là, on va mettre adresse que vous vivez là. Si vous êtes en Haïti, vous ne pouvez pas utiliser adresse en Haïti. Hein? Parce que Amazon pas en Haïti, soit en République Dominicaine, soit Chili, ou pas qu'à mettre adresse ça, parce que y a besoin de vérifier adresse ça. Souvent, moun qui pas dans le pays côté Amazonien, yon utilise yon adresse, yon ami, yon famille, ou bien achete yon adresse de pays côté yon décide de vendre. Comme moun décide de vendre sur marché États-Unis, hein, map mette yon adresse États-Unis, ou même sou décide de vendre sur marché États-Unis, map mette yon adresse États-Unis, parce que Amazon gen pou vouye yon code ba ou nan adresse sa. Ou ap rempli sa caractère yo, ou ap mette caractère yo, et pou ap choisi un call ou bien SMS parce que Amazon pral voye yon SMS ou bien relo pi bo un code directement nan email pou al mette. Lò fin rempli tout sa yo, automatiquement fin rempli tout sa yo, et puis ou ap clique sou next. Lò fin clique sou next, yo pral voye sou yon page kon sa. Automatiquement ven sou page sa, Amazon pral mande yo pou kapab rentre yon 4 de debit capable d'utiliser pour payer chaque mois. On va cliquer sur continuer. Lorsque vous continuez, Amazon va demander pour entrer un numéro compte bancaire. OK, vous entrez numéro compte bancaire qui est allé ensemble avec nom que vous mettez. On choisit qui pays
après tout pays Amazon là-dedans, la diminue dans compte banque ça ou dans pays ça ou pas mettre numéro compte banque qui Amazon accepté. Après sous garder bien après Haïti là-dedans. OK, ou pas mettre une banque dans pays ça ou compte banque quoi mettre et regarder, on va les Peoni, par exemple on tape Peoni là, automatiquement on va venir Peoni, ouais, mais Peoni. Et puis on va rentrer information Peoni dans là et puis on va cliquer sur vérifier banque. Si vous n'avez pas de question, vous pouvez faire une vidéo sur ça, par exemple une vidéo sur ça. Vous pouvez cliquer sur le et puis vous pouvez connaître comment créer un compte Peoni. Vous pouvez faire information sur ça, vous pouvez cliquer sur vérifier compte banque. Vous pouvez faire toute information sur compte banque, vous pouvez cliquer sur continuer. Vous pouvez demander de rentrer un numéro 4. Vous pouvez faire un numéro 4. Dès que moi-même, moi j'ai choisi plan individuel, je vais payer $39, mais si j'ai choisi plan professionnel, je vais payer $39. L'info notre information 4 mois, et puis je vais cliquer sur continuer. L'arrivée sur la page là, on va battre store là, on a. Carrément, ben on a, on va aller comme store success, on va aller comme ça. Quels sont exactement faire ben non. Si que, ok, non, possible. Ok, c'est bien, tout ça c'est non, et puis je clique sur next. Maintenant, vérifier pour votre adresse là. Capable vérifier avec statement bancaire ou bien avec statement crédit card ou bien carte de débit parce que songez adresse là très important adresse côté météa il faut que vous capable ben on preuve que adresse ça li dans document ou pour que les envoyer code là la caillou pour capable recevoir pour capable vérifier à 40 là moi même va remplir tout ça yo moi va upload passeport pas ici choisir comme document moi va mettre statement banque Peoni moyen puis moi va upload li et puis m'appliquer sur next. Pour choisir un dans ça yo moi me conseille choisir pour capable faire une photo ensemble avec pièce souvent hein, permettre de vérifier compte en plus rapide automatiquement au fin ou cliquer ou accepter ou cliquer sur next pour vérifier document maintenant l'info document maintenant on va soumettre li à celle centrale là automatiquement puis vérifier document maintenant et puis m'appliquer sur next pour capable passer dans prochaine étape là moi fin voyer tout document par Amazon Zim. Ça prend environ 2 jours pour être capable de vérifier est-ce que ces documents que je vais est-ce que sont proportionnels avec ce que je mets comme information. Après 2 jours, Amazon a dit est-ce que le compte moyen est activé ou bien pas activé. C'est comme ça que vous pouvez commencer à vendre sur Amazon pour capable toujours être informé sur les nouvelles vidéos que nous avons sur ce qui a rapport avec comment vous capable faire l'argent avec Amazon. Pas oublier abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et puis. Pour capable toujours être connecté ensemble avec nous. Qui donc, c'est qu'on soit capable de créer un account sur Amazon. J'aime ce que tu fais là, étape par étape, qu'on y a l'irrité pour Amazon activer un account. Merci, bye bye.